Niveau 45. Au-dessus de la porte, on a deux traits rouges. On se doute qu'il va falloir les passer au vert pour ouvrir la porte. Un indice avec quatre traits, hein, inclinés de façon à ce que s'ils se continuaient, ils se rencontreraient au centre. Des curseurs, quatre de chaque côté de la porte. Et puis là, une forme au sol avec un petit trou, on va voir plus tard. Donc ça, ici, il faut l'interpréter comme une croix à réaliser grâce à nos curseurs. Donc, le trait en haut à gauche correspond à ces deux-là, en bas à gauche à ces deux autres, et ainsi de suite. Donc pour faire cette première forme, j'ai un point haut et un point bas. Donc ici, j'appuie et je mets, vous voyez, si je relis mes deux curseurs, ça me fait bien la forme qui est là. Hein, l'inclinaison est dans le bon sens. À droite, c'est pareil. Et puis ici, là par contre, le point bas est là. Et bien je fais ça. Et pareil ici. Et à partir de là, alors, c'est pas évident. Tant qu'on ne l'a pas fait au moins une fois, c'est un feu d'artifice là qui apparaît. Bah, c'était tout bonnement le support d'un feu d'artifice. On a des allumettes, il va falloir allumer ce feu d'artifice juste quand il faut pour que lorsqu'il part, il vienne toucher cette lampe là qui se balade de gauche à droite au plafond. Donc le but c'est par exemple quand elle marque un petit temps d'arrêt, qu'elle repart d'un côté ou de l'autre, eh bien c'est d'allumer notre feu d'artifice à ce moment-là. Donc, je vais prendre mes allumettes. Voilà, j'ai sélectionné. Attention. Hop, j'ai allumé mon feu d'artifice trop tôt. Hop, je reprends mes allumettes, pardon. Ça repart. Voilà, c'est bon. C'est au moment où ça repart exactement qu'il faut allumer. Les allumettes toujours. Attention. Hop. Et voilà. Je l'ai fait deux fois. J'ai mes deux traits qui sont passés au vert. Je n'ai plus qu'à ouvrir ma porte et aller au niveau 46.